des pas rapprochés. Soudain un battement d'ailes. Un tourbillon de voiles. Un souffle. Une révérence. Puis le calme. On assiste à l'expression du sangmo. La performance se déroule dans la quiétude d'une lumière en clair-obscur. Elle dévoile les manches interminables du danseur, virevoltant au rythme de sa chorégraphie rituelle. C'est un véritable théâtre onirique. La danse sangmo provient de la tradition coréenne bouddhiste. Ses origines remontent à environ 500 ans et incarnent l'expression physique d'une offrande à Bouddha lors des cérémonies bouddhistes. À l'ère moderne, le sangmo est mis en scène avec de forts éléments théâtraux. Il se présente comme une œuvre d'art aux idées universelles plutôt que religieux et devient une danse folklorique. Le sangmo incarne la nature fondamentale du cycle de la vie. À mesure que l'univers s'ouvre, la vie naît, grandit, mûrit, porte, puis retourne à son point d'origine. Quand cette danse a inspiré les architectes pour concevoir des espaces reflétant le charme originel de la culture coréenne, une question cruciale s'est posée. Comment matérialiser le mouvement ? La danse est un art vivant, une performance qui exprime l'humanité. Elle a le pouvoir de révéler les limites de l'espace tout en permettant à celui qui regarde de s'en échapper. L'architecture crée un espace immobile, perçu par l'homme lorsqu'il est en mouvement. L'interaction entre les deux est l'essence même du projet Soongrill. Ainsi, retranscrire la danse en un espace architectural implique une expérience de transformation d'une dimension intangible vers un espace physique. Les espaces de Soongrill sont nés du mouvement. Les architectes Woo Jin Lim et Sylvie Pia ont travaillé à partir de la lumière pour exprimer ce concept et représenter la vitalité immatérielle de la danse dans l'architecture. Ainsi, la lumière, médiatrice entre le mouvement et l'espace, est traitée sous forme de techniques picturales, photographiques et encore réinterprétée en tant que matière, afin de magnifier la véritable splendeur des mouvements aériens, imprégnés d'une profonde quiétude. La danseuse Heyong Son immortalise les plus beaux mouvements du Sangmo. Sa chorégraphie s'exprime dans l'espace du Soongrill. Les gestes de l'artiste, amplifiés par ses longues manches, se déploient dans l'espace. Tout d'abord, son passage est matérialisé par une onde lumineuse, créée par un dispositif moderne et sophistiqué, imaginé par les architectes. L'espace du restaurant devient l'espace de jeu du danseur énigmatique, dans lequel les spectateurs sont invités à découvrir la gastronomie coréenne. Ensuite, la présence de la danse est transférée par une empreinte plus fantomatique, une fresque. Trace légère et volatile du spectacle précédent. Exemple rare où la danse est présentée comme une thématique spatiale. Ici, l'art de mouvoir le corps croise la dimension matérielle pour créer un espace à vivre unique.